Beaucoup d'excitation sur la ligne de départ avant de s'élancer pour ce qui est pour certains leur tout premier cross. Trois accélérations progressives, d'accord ? Ok, on y va, doucement au départ, doucement. Venus de toute la Sarthe, 4000 enfants de 8 à 13 ans ont participé. Vainqueurs ou non, tous ont apprécié leur course. C'était trop bien, c'était très long. Ouais, c'était long, mais très long. Bien. Mais on avait du cardio. On y a été. On a été jusqu'au bout, c'est le principal, on a été jusqu'au bout, on a traversé la ligne d'arrivée. C'est vrai que on part bien. 34 épreuves étaient au programme ce samedi, toutes catégories confondues. L'après-midi, le givre et les enfants ont laissé place aux adultes sous un franc soleil, avec par exemple de la marche nordique, discipline plus compliquée qu'il n'y paraît. Moi, je suis encore un peu novice parce que j'ai commencé il y a à peine un an. Et donc, je découvre, moi, cette compétition aujourd'hui ici. Et j'aime beaucoup ce type de terrain où c'est vraiment mélangé au niveau des sols. Et c'est vrai que c'est très, très agréable. Assez dur quand même parce que c'est quand même physique. Les courses dites nature ont la cote. Rien que sur le trail, 2000 participants, tous motivés. On va viser un peu moins de 2 heures et avec le sourire, si c'est possible. Il y a une bonne ambiance, c'est carrément bien, quoi. On y revient toujours. Sur la ligne de départ, c'est Ladji Doucouré, parrain de renom, qui assure l'échauffement et le show. Il apprécie la dimension populaire de ce genre d'événement. Quand tu arrives à faire un truc comme ça, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Aujourd'hui, regardez, vous avez le monde qu'il y a, il y a des coureurs du dimanche, il y a des trailers, il y a des gens qui viennent en famille, il y a des gens qui marchent. Et c'est ce qu'il faut. Il y a eu des gamins ce matin, demain il y a les pros. Suite et fin de ce 39e cross Ouest France demain, avec entre autres le très attendu cross des As et le 10 km.